départ, vous avez choisi le bas. Donc elle est très proche de, du bas. Elle va pas. Normalement, on doit dépasser les bras. Mais le point est très proche de ce point là. On va prendre la C'est pourquoi on a appris la courbe du vent. À la suite, au niveau de la vagance, la même chose. Vous avez trouvé 23 avec 5. D'après la courbe, elle est située entre 20 et 25. Vous avez pris le 25. Oui, je suis le supérieur. Je suis entre 20 et 25. On a pris 25. Donc, il faut augmenter, il faut prendre la valeur de x supérieur. Mais c'est quoi l'intérêt de faire répéter cette même figure de voir qu'il y a 4 fois. C'est la même figure. Oui, je l'ai fait à la date. Oui, je l'ai fait à la date. Au niveau de la masse secondaire, vous avez. Calculer la piste pour un type de sollicitation. Donc, une piste est sollicitée à quoi? On a une piste littérale et. Est-ce qu'on a calculé de l'espace ou cisaillement? Oui. Cisaillement de la tige. Le mouvement sur le dessin pour rien de l'enfant. Vous voyez ces vivants? Ils sont assemblés par 10 avec la table de 2. Donc, quand on serre sur le téflon, et on insère le téflon découpé avec, soit avec la position d'évasion, soit avec la position d'assemblage, on a un temps trop fort de ce mouvement de serre. Donc, les 10 qui tiennent les bords, ils vont solliciter. À quel type de sollicitation? Cisaillement. Cisaillement de la tige ou bien des filets? Ah, ok. Là, c'est la question. Ah, parce que quand vous dites tige, je pense aux tiges. Non, c'est la tige de la tige. C'est cisaillement de la tige à gauche du filet. Bien des filets. Donc, c'est plus important l'important de dire le cisaillement. Chercher le nombre de filets. L'ombre est ici, l'ondage, entre la partie du manche avec. Tu t'es fort. Ce montage, il est fait à tout le monde qui a acheté. Pourquoi vous n'avez pas pensé à faire un montage à chaud? Si on va le faire, on va faire à chaud. On doit retourner dans la oui, on doit ajouter le sol de chauffage, ajouter de l'énergie en plus. C'est de l'entendre en plus. Peut-être que le montage sera plus facile. Si on chauffe la matière, elle est aussi. Le tuflant, les propriétés du tuflant, lorsqu'on le chauffe, il y a une discussion d'allongement très, très lent. Donc lorsqu'on le chauffe même un petit peu, peut-être que lorsqu'on va insérer le TPI sur le reflet, ça ne va pas être vraiment dans la fin. On écoute des diamètres. Donc, lorsque vous le demandez, je passe le motif. Normalement, ici par exemple, pour le serrage de plan, donc il verra le serrage de plan. Normalement, le cylindre, il verra, il protège. Donc, le même, on est pour le premier verra, le filet rond. Normalement, il faut encastrer le. Et c'est quoi la raison de la tige du verra avec le cylindre? Excusez-moi. Lisant entre la tige, et le cylindre. Pourquoi vous n'avez pas présenté ces lisants ici? Parce que j'ai présenté un verra, la forme d'un verra. Je passe à la partie de l'automatisation. Alors, pour le diapo 31, pour la dernière transition, c'est à 2.
c'est-à-dire l'envie, la dernière transition qui fait beaucoup plus haut. Et donc c'est la table de tristesse, tu vois. Il y a un cas qui manque une transition. Lorsque vous écoutez les émotions, ici, pour XR1, donc c'est l'étape 1. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est la transition R0 vers 1 en parallèle avec le XR2. Il faut penser avec le XR2 bas. Qu'est-ce que c'est le but? Si XR2 n'est pas activé, elle est égale à 0. Est-ce que ça peut passer? C'est la même. Donc je pense qu'il faut que vous réglez ça. Pas pour tout aussi technique que le signal, mais il a posé pas mal de questions. Quels sont les moyens que vous avez prévus dans votre système qui assurent la sécurité dans cette machine-là, on a des poinçons, on a des lames de découpage, on a des efforts qui peuvent être plus fournis, qui peuvent présenter un danger pour l'opérateur. Donc, quels sont les privilèges pour les faire des, pour les ouvriers? On peut voir ici, dans le cas de la lame, on doit les ouvrir. Donc, comme on a le connaissance de la matière, on a pris en considération ces choses-là. Comment l'opérateur ne doit pas mettre les mains, même dans les boutons de soie. On a mis deux boutons de soie pour qu'on soit sûr que l'opérateur ne va pas mettre les mains. Il va utiliser ce qu'il faut. C'est deux mains, car il y a une lame, il y a un pinceau. Un dernier point, protection. Vous n'avez pas utilisé ici. Il n'y a pas de protection. C'est la dernière étape au moment de l'industrialisation. On va ajouter sur les profilés des plexiglas. Avec juste le trou, on va vous mettre le bec de TPS et on va les deux les outils qui sont encastrés dans la main. Juste, si tu es contraint dans le cahier des charges, comment est-ce que tu arrives? Voilà. On vous laisse ici. Merci.
On vous souhaite une bonne continuation. Merci.